Alors, bon, on va passer sur les Sims, hein, de toute façon. Faut bien qu'on avance quelque part. Rejoignons notre petite Maze qui veut son million. Alors, le scénario a disparu, mais je vous rappelle que c'est pas grave, qu'on continue l'histoire. Oh, la pauvre biche! Il est 21h20, et elle est seule et elle a même pas de maison. Oh, mais je suis tristesse, moi, les enfers. Les enfants. Oh, putain. Ah, les enfers! Les enfants, je suis tristesse pour elle, non? Maze a soif du million. A soif de son million. Et donc, on va aller lui chercher. Bizarrement, à chaque famille dans laquelle elle passe, tout le monde trépasse. C'est bizarre, cette histoire. Et on s'était dit qu'on irait maintenant chez Octavia. Octavia, on est potes. Et Octavia, il est riche. Enfin, il est riche. Elle est connue, déjà. Donc on va aller la voir. On a plus de maison, c'est pas où dormir ce soir, c'est dommage. C'est là? Ah ouais? Ah, c'est l'endroit où est à Iowa. Non, on va aller sonner à la porte, tranquille. On est une grande fille, on va faire toc-toc. Octavia, salut! Bah, je sais même pas si on pourra faire toc-toc. Ah, on va peut-être pouvoir rentrer. Hein. Pourquoi t'es triste, Maze? Ah bah non, elle est pas tant que ça. Endeuillée, perd une bonne amie. Oh! Il y a les feux d'artifice, par contre... Oula! Non, ça va, tout va bien, il nage. Et en plus, on me laisse rentrer dans cette incroyable baraque. Alors, c'est pas la plus belle. C'est pas la plus remplie. Mais il y a moyen quand même de choper le million avec tout ça. Je suis même pas sûre, en vrai. Je suis même pas sûre qu'elle vale... À moins qu'ils aient de la fortune perso. Mais je doute fort que... Je doute fort qu'elle puisse avoir le million. Peut-être grâce à l'écran télé. Ouais, va discuter avec Octavia, c'est ta meilleure amie maintenant. Parce que je serai ta meilleure amie. Il nous faut 118 000, je ne sais pas combien est cette baraque. Je te rappelle que tu dois compter sur elle. Après, elle t'invite chez elle à ménager. Et tu es tranquille. Bizarrement, peut-être qu'elle trouvera le chemin de la mort. Par contre, qu'est-ce qu'elle connaît comme gens morts? C'est bizarre, hein, cette histoire. Et il y a qu'à être les gothiques qu'elle a pas couché. Voilà. Hey, est-ce qu'on s'est fait se taper la Octavia? Est-ce que Maze et Octavia, il va y avoir frotti-frotta? Regardez-moi ces deux tons là, aussi moches l'un que l'autre. Waouh, quel beau dressing les Sims! Oh là là, vous me tuez là, franchement. Waouh, même moi je pourrais pas faire mieux quoi. Non, franchement je peux pas. Oh, et en plus ils dorment ensemble, c'est un peu de l'inceste les Sims, je sais pas si vous êtes au courant. C'est de l'inceste votre truc. Alors, tu veux pas dormir avec elle? Mais vous êtes potes moi, franchement, non? Clate-la un peu, tu dis qu'elle sent bon et que tu aimerais t'endormir à ses côtés parce que son parfum t'endormirait paisiblement, sans faire de cauchemars, tout ça. Et tu attends un rapprochement. Oh! 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 Mais en même temps, elle se dit son mari est en train de dormir avec son fils. Donc elle trouve du réconfort où elle peut. Hein. C'est trop fascinant les Sims, ça. Tu dragues n'importe qui, ils disent rarement non. Hein. Ou alors c'est soit des gros queutards les Sims. Les Sims, soit ils ont pas de goût. Voilà, tu lui mines sa journée, tu lui envoies un baiser, tu lui dis toi ce soir. Tu vas pas reconnaître. Je ne dirai rien. Elle est excitée. Tu veux savoir un secret? C'est moi qui ai tué les gothiques. Hein? Mais non. Mais si. Oh, mais tu m'as eu. J'y croyais pas, moi. Tu as une belle bouche rouge. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre deux masques. Ah oui. Des deux masques. Les deux masques. Oh, premier baiser échangé dans le dos du mari qui dort avec... Son fils est l'inceste ici. Oui. Dis, est-ce que t'es belle, t'es forte, tu sens bon le roquefort? Est-ce que je peux vivre avec toi? Alors, oui ou non? Est-ce qu'on va rejoindre le foyer d'Octavia? Notre dernière demeure, peut-être? Et c'est un oui. Bien sûr, mais bien sûr, viens... Oh! Bah, ils ont 50 000 simflous déjà. Oh, 932 simflous. 1000. 932 000 simflous, bien sûr. Alors, 932 945. Le jeu nous a dit qu'on avait gagné. Bon, bah écoutez, c'était sympa de ce live ce soir. Nous avons donc réussi.
Et on n'a même pas besoin de les tuer. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Des bisous. Ciao. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Mais les Sims, pourquoi vous mettez un barbecue s'il n'y a même pas de table et tout pour bouffer? Mais c'est quoi cet enfer? Bon, elle va mourir de faim, la petite Octavia, je crois. Il est quoi, lui? Jeune adulte. Ah, ça va, on peut le tuer. Mais Octavia! En votre Ken! C'est pas là qu'ils dormaient, les deux? Je comprends plus rien, moi. Oui, parce qu'elle, elle dormait dans la chambre, là. Hé, hey, t'as pas oublié qu'on devait se peloter un peu? Ah, c'est maintenant? Ah oui, attends, je me suis pas épilé la chatte. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes vulgaire dans le chat, là? Ah, attends, parce que là, il y a son fils. Tu vas révéler un secret bien enfoui. En fait, j'ai un gros kiff sur les mecs poilus. C'est pas vrai. Ah! Mais regardez-moi, cette meuf, déjà, c'était une star. Tu lui as proposé un ananas, t'étais sa pote. Puis finalement, là, elle est mariée et tout, et... Bah non, il y a aucun problème, aucun souci, nous pouvons la draguer, nous pouvons craquer avec elle. Nos problèmes. Allez, bon. La vallée des merveilles. Elle va devenir ton esclave sexuelle. Voilà, vous pouvez faire vos petites choses. Personne ne viendra vous... Oh! Ah bah, c'est sa première fois, Octavia. Bah dis donc, comment il est né, leur fils, alors? Est-ce que tu veux dire que... Dégueulasse. Ah, oh, bah en plus, vous avez une salle de bain. Bah, vous avez même plus besoin de sortir de cette chambre, en fait. Juste un peu de bouffe de temps en temps. Et encore, une tarte au poil, hein, comme dirait... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu vas boire ton verre d'eau dans la baignoire? Ils ont un problème, quand même. Mais ouais, il y a même pas de toilette dans cette salle de bain. Même là, il y en a pas. Alors, on va te tuer comment? Comment on va tuer le père et le fils? J'ai envie d'essayer une mort qui diffère. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ces traits? Peut-être qu'en rapport avec... Actif, aime la musique, sûr de lui et ignoble. Extraverti, égocentrique, méchant. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une paparazzi! Pourquoi tu parles à la paparazzi? Elle va te prendre en photo, elle va révéler ta relation au grand jour, tu sais ce que tu veux? Que Octavia soit répudiée de... du cinéma ou je sais pas ce qu'elle fout dans sa vie. D'ailleurs, elle fout quoi? Ah non, elle est auteur. Donc elle est pas si connue que ça. Vrai musicien. Ah, lui, c'est un musicien. Et lui, ben, il bosse au fast-food. Leur fils. Ils sont censés être des stars et lui, il va bosser au McDal, quoi. Mais ils sont encore en train de se prendre l'un de bras l'un de l'autre, hein. C'est sale, les garçons, quand même. Enfin, les garçons... Non, mais je veux dire, là, c'est le père et le fils. C'est ça qui est sale. C'est pas une histoire de... Hein. Non, mais il faut qu'ils arrêtent, hein, ils sont en plein kiff. Hein. Ils se kiffent, ils s'adorent. Regardez-moi ça, ils se regardent dans le blanc des yeux, là. Ils disent, oh, toi, qu'est-ce que je vais te mettre ce soir? Ah oui. Bonjour, Orange. Nous recherchons une effigie pour promouvoir notre entreprise de cosmétiques Prime Sim. Et vos fans correspondent parfaitement à notre groupe cible. Terminez une de ces tâches suivantes dans les 24 heures pour remplir ce contrat. Mais tu travailles au fast-food? Une petite électrocution. J'y ai pensé, mais c'est toujours difficile à mettre en place, je trouve. Ah oui, la station robotique. Donc pour le père ou le fils? Le fils. Amen. Petite station robotique, on va devoir utiliser notre argent. Est-ce que c'est pas dramatique? Si seulement on avait de l'argent. Regardez-moi, il y a tellement de place dans cette baraque, on pourrait chier dedans. Et vous aussi, vous avez la ref? Ah, pareil, de contrôle de la météo du docteur June. Tu te fous de moi ou pas? Appelez ça comme ça. Station météo, quoi. Cherche pas que midi à 14h du Saint-Bernard. Faut quand même qu'il puisse circuler, non? J'en ai peut-être mis un peu trop. Ça va être cacophonique, hein, moi je vous le dis. Classique. Allumé, battu. Allumé. Blues. Allumé baroque. Allumé alternative. Allumé chanteur compositeur. On sait même pas sur quoi elle danse, hein. Danse, on sait pas sur quoi. Oui, c'est pas vrai, c'est pas cacophonique, d'accord. Écoutez, hein, il en faut pour tous les goûts. Et là, tous les goûts sont mélangés. Alors, le Fils, le Saint-Esprit, amen. Modifie la modification, puis. Ensuite, tu vas bidouiller quelque chose. Ensuite, tu vas modifier le ciel nuageux et tu vas rebidouiller. En plus, t'es tout mouillé. Ça va aider, peut-être. Prends-toi un cours de jus.
Prends-toi un courju pour toi, ouais, pour un courju. Oui, 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 oui. Ça commence. Ça commence comme ça. Est-ce que ça finira tout en sang bien? Tu sais, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu es. Mais j'en peux plus, il sait même pas. Non, mais tu vas pas bosser en fait, Germain, là. Il sait même pas écrocuter. Oh merde, ça a marché. Bien sûr, il va plus avoir le truc PBT et puis comme ça. Eh ben, il va enchaîner, hein, je m'en cogne. Hein. Moi, je vous dis qu'il va enchaîner. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Et il va enchaîner, c'est tout. C'est tout. Et je m'en fous. M'en fous de tout. Il enchaînera, il deviendra PBT, mais c'est tout. Elle est pas belle, Octavia, en fait, hein. Enfin, elle est mimes quand elle est avec ses lunettes de soleil. Et je trouve que sans, bah elle est pas moche, mais elle est pas mignonne non plus. Enfin, elle est... Bouf, bouf. Voilà, elle est carrément passable. Mais non, mais il faut pas qu'il réussisse ces trucs, là. Qui c'est qui m'a dit c'est un coup sûr, le truc de robot? Parce que moi, c'est... Non, mais me dites pas ça, hein, parce que en vrai, moi, ça ne marche jamais. C'est comme le lit. Le lit machin bidule, moi c'est... Ah, vous me dites, oh non, mais à coup sûr, moi je l'ai. Hein. Oui, mais pas avec moi, hein. On a galéré. Hein. Va changer la météo, Jean-Claude. Ah ouais, merde, je les ai fait faire crac-crac plein de fois, il est obligé de passer par le... Oups. Oups, il va voir sa mère se faire ken. Oh, 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 oh. Allez, première. Je lui demande d'enchaîner les changements. Croisez les doigts. Ah non! Ah non, ça a pas marché. Non, Jean-Claude, tu restes là. C'est ta mère, elle est en pleine extase là avec sa nouvelle copine. Alors, il a créé un orage. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais bloquer. Hop, ça irait sur le balcon. Alors, Maïs? Tu l'as rendue heureuse, cette petite, là? Bah, elle a l'air, hein, elle a l'air d'être bien, là. Ah oui, bah ça va, elle est heureuse. Nous avons encore 2 heures devant nous pour qu'il y ait des bêtations. Pour Orange. Ah, dommage. Mais ça remarche avec lui! Oui! 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 Le compteur de météo a bien modifié la météo en créant un temps froid. Il est mouru! Il est mouru! Vaken, occupe ta nouvelle copine. La faucheuse est là. La faucheuse va faucher. Meurs de froid? Mais t'es déjà mort! Tu peux pas mourir de froid! Eh ben, il est mouru. Voilà, il est mouru de froid. Oh, t'es sérieux, là? Tu fais le moche alors que... Regardez, mon fils vient de mourir. N'hésitez pas à me prendre en photo. Je suis beau, je suis triste. Oh oui, mon fils est mort. Mais il a réussi son pari, elle en a déjà tué un. On va passer à Thorn, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire ta star? Tu penses à ton fils mort? Comment nous tuons Thorn? Ah, il va dormir dans le lit où sa femme, elle a... Avec Maze. Rapidement, on veut tuer Thorn. Mais qu'est-ce que c'est rapidement? L'électrocution, c'est rapide, hein? La fin, c'est un peu plus lent. La noyade, il suffit qu'il soit fatigué. Dit-elle en le réveillant. Et il dit, vas-y, va faire des longueurs. Fais des longueurs. Tu pouvais te noyer au passage. Alors, c'est dommage qu'il est moche. Mais il est quand même bien gaulé. Tané Néwa. C'est beau la ville. Comme les crevettes, tout est bon chez lui sauf la tête. C'est ça. Les fameuses crevettes. Ah bah il va mourir de froid, ce sera encore plus simple.